l'arrière ici. Nickel. Il y en a un. Si, si, là, mais on va avancer un peu. Bon. Ah ouais, faut faire péter ça là. Comment on fait à deux avec une seule bouteille? Tu vises ton pote. Bravo Morgan. Bravo. Ouais. Ouais. Bah, super étape. Bien mené, on peut dire, et avec quelques petites frayeurs quand même sur la dernière phase du parcours, le tour de l'Île-Dieu. On a eu peur plusieurs fois avec Morgan quand même, parce que il s'est passé des trucs, du dévent, de la molle, du refus alors qu'on pensait avoir de l'ado, enfin voilà. Et plusieurs fois on a cru que, plusieurs fois on a vu les bateaux revenir, et on a vu que sur l'arrivée les bateaux sont vraiment groupés. On était tous hyper proches, quoi. En 1 ou 2 milles, il y avait peut-être 8 ou 10 bateaux. Alors que tout le long de la course, c'était vachement plus étalé. Ça veut dire que ça s'est resserré à la fin. Et nous, le vent mollissait en approchant et on voyait les mecs arriver. On se disait non, pas maintenant, pas maintenant. Ben voilà. Et Momo et Morgan, il a super bien géré le truc. Au petit réglage, aux petits oignons pour rien lâcher du millimètre qu'il fallait garder pour gagner. Bravo. Ouais, ça s'est joué à plein de moments, mais globalement c'était cool déjà pouvoir enfin concrétiser le travail qu'on a pu mettre en place avec Zav depuis quelques temps. On s'est entraîné l'année dernière pour la Transat, là on a fait un stage de préparation, donc on avait à cœur de pouvoir mettre tout ça en application, en confrontation, en course, donc c'est chose faite et plutôt bien faite pour une première, donc on savait que ça devait théoriquement bien fonctionner, on l'a prouvé. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de vitesse, un peu de choix de voile et un petit peu de trajectoire quand même. Il a fallu affiner les trajectoires, quoi. Et en fait, il y avait beaucoup plus de vent que ce qu'on avait prévu. Et donc, c'était des bords qui mouillaient pas mal, où le bateau allait vite. Donc, bon, c'était sympa de voir déjà qu'on allait plus vite que les routages. C'est toujours bon pour le moral. Et c'est sympa de faire avancer le bateau vite, quoi, parce que c'est des bonnes sensations. Et là-dessus, on s'est bien démerdé, on avait une bonne vitesse. Et c'est la dernière phase du parcours où il y a eu pas mal de rebondissements, et, ouais, c'est un peu stressant. Quoi. Ouais,